Donc merci de votre venue, voilà. C'était 13h30, quasiment 18h, avec un panel, on vous a mis la liste des participants, qui était riche dans sa diversité, avec des soignants, des associations, des gens de la société civile. Des élus. Dont nous faisons aussi. locaux et nationaux, pour... voilà, pour lancer cet échange, évidemment avec des gens spécialisés sur le sujet, par leur engagement citoyen ou par leur profession. Donc on était là, dans cette table ronde, avec un public resserré et choisi. Dans quel cadre se faisait justement ce temps d'échange ? Cette initiative que nous avons prise, tout à fait librement. Je remercie le CREAI qui nous a fourni la salle, qui nous a accueillis ici, et puis je remercie aussi le CESAD qui a participé aussi à cette réunion, mais la DMD et aussi Jalmalve, etc., etc. Donc initiative que nous prenons pour effectivement faire l'état des lieux de comment on meurt aujourd'hui en France, dans quelles conditions, en domicile, en EHPAD, à l'hôpital bien entendu, principalement. On sait que mourir n'est pas bien, mais la réflexion, c'est comment effectivement bien mourir. Bien mourir pour sortir de la solitude de certains désespérés aussi avec le suicide, pour sortir aussi d'un blocage légal et déontologique pour certaines professions, à un moment où effectivement la loi est à une étape. Et derrière nous, devant nous, il y a cette réflexion générale sur plusieurs semaines, plusieurs mois, sur comment les choses peuvent évoluer pour répondre, et ça c'est très important, à une demande de certains de nos concitoyens d'une aide active à mourir. Et ce n'est pas l'inverse, ce n'est pas des soignants qui doivent faire consentir un patient à un suicide assisté ou une euthanasie, n'ayons pas peur des mots. C'est bien l'inverse, c'est comment on peut, dans le cadre légal, dans quelles conditions, comment on peut dépénaliser l'euthanasie pour répondre à cette demande-là. Dans le respect des consciences des uns et des autres, dans le respect des principes de la société. Avec d'un côté une éthique individuelle, une demande d'entendre un libre choix, celui de mourir, d'être aidé à mourir activement, et de l'autre côté, une société où les principes de solidarité collectif, de protection des personnes vulnérables, quelles qu'elles soient, socialement, intellectuellement, etc., donc protéger une partie de la société et continuer dans ce devoir de solidarité tout en entendant la demande d'aide active à mourir. C'était le sens de cette première table ronde que nous organisons. Donc le président de la République a demandé un chantier législatif sur ce sujet. Donc c'est un prélude à ce chantier-là. C'est aller vers une nouvelle loi ou c'est faire évoluer la loi Claeys-Leonetti ? Alors justement, le but c'est peut-être probablement de faire évoluer la loi, mais en attendant on est tenu de mener à bien en tout cas un débat avec les Français que nous devons avoir avec les Français. Et donc pour ce faire, il y a ce genre de débats, de tables rondes que nous devons organiser sur le territoire national. Mais en même temps, il va y avoir un débat qui va se faire par le biais du CESE et donc les CESER en France. Deuxième chose, puisque si nous devons faire évoluer la loi, on doit aussi déjà évaluer ce qui existe. Je pense à la loi Claeys-Leonetti, qui préconisait la sédation profonde et également mettait en lumière les directives anticipées, etc. On n'a pas évalué cette loi de 2016, donc il y a un premier travail qui va être mené par la commission des affaires sociales, donc l'évaluation de cette loi. En parallèle, j'avais demandé à la Cour des comptes un rapport sur les soins palliatifs en France, le chiffrage également, sur le plan financier, ce que ça représente, les soins palliatifs, et puis également une étude comparative avec d'autres pays européens. Ce qu'on peut aussi constater, et moi c'est aussi quand même ma grande interrogation, on sait que les soins palliatifs en France
Il n'y a pas une égalité de traitement sur l'ensemble du territoire. Il y a des territoires qui sont très bien dotés et d'autres pas du tout dotés. Donc je pense que là aussi, nous devons mettre les moyens. Si on doit permettre à la personne de choisir en tout cas sa fin de vie, elle doit aussi en amont pouvoir aussi accéder à des soins palliatifs de qualité, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On peut aussi, parce qu'on a mal vécu la fin d'un proche, décider effectivement de vouloir mourir dans la dignité. Tout le monde souhaite mourir dans la dignité, mais d'abréger en tout cas ses souffrances en préconisant, le suicide assisté. Mais peut-être que s'il y a des soins palliatifs à la hauteur des attentes de nos concitoyens, on n'irait pas non plus jusque-là. Donc on doit pouvoir permettre aux personnes, en tout cas, de choisir leur fin de vie. Pourquoi est-ce vous, tous les deux, qui vous emparez de ce sujet ici en Côte d'Or ? Non. Parce que c'est la commission des affaires sociales qui est aussi saisie sur tout ce travail, concernant les soins palliatifs par rapport au rapport. Donc Didier fera partie de cette mission d'évaluation que nous allons lancer là en mi-novembre. Il va y avoir une mission d'évaluation de la loi Claeys-Leonetti qui va être lancée officiellement. Ça va être annoncé ce mercredi en commission des affaires sociales avec bien sûr des co-rapporteurs et puis des personnes qui vont faire partie de cette mission. Donc on attend effectivement ce travail. Ensuite, il y aura aussi le rapport de la Cour des comptes qui devrait arriver au mois de mai, plus tous les débats que nous allons avoir au niveau national et puis en Côte d'Or, et puis ensuite probablement de légiférer d'ici la fin de l'été. Mais pour pouvoir légiférer, il faut qu'on ait aussi ce débat. Moi, je constate, quand j'échange avec mes concitoyens, que beaucoup ne savent pas ce que c'est, les directives anticipées, ils n'en ont jamais entendu parler. Quelle est la différence entre le suicide assisté et puis l'euthanasie? Certains ne savent pas non plus ce que c'est. Les soins palliatifs, pour certains de nos concitoyens, ils ne connaissent pas non plus les soins palliatifs parce qu'ils n'ont pas accès. On avait mis d'ailleurs dans le budget de 2022 500 millions d'euros pour renforcer les soins palliatifs parce qu'on sait que c'est aussi le maillon faible. Donc il y a tout ce travail que nous devons mener à bien pour pouvoir ensuite bien légiférer. À titre personnel, j'avais pris un engagement électoral. J'avais indiqué que j'organiserais, à l'échelle de ma circonscription, un débat sur la fin de vie. Pourquoi ? Parce que dans les 27 réunions préélectorales que j'avais faites au mois de mai, au mois de juin, c'est une question qui revenait un soir sur deux, la question de la fin de vie. Il y a eu un épisode autour d'une proposition de loi dans une niche à l'Assemblée nationale qui avait fait un peu de bruit à ce moment. Et moi, je rencontre des gens sur la toile qui me disent « Mais ça y est, vous avez légiféré, c'est bon, c'est décidé. » Ben non, non, c'est pas fait. Effectivement, il s'agit de travailler en parallèle l'évaluation d'une loi, d'évaluer aussi l'offre de soins en soins palliatifs, et parallèlement d'entendre une demande de aide active à mourir, c'est-à-dire de suicide assisté. Vous savez, vous avez entendu, vous vous souvenez, Chantal Sibylle à Plombières. Il y a aussi un monsieur qui était polyhandicapé, monsieur Coq, qui était polyhandicapé et qui est allé en Suisse. On a eu Paulette Guinchard-Kunstler, qui était ministre et qui est allé en Suisse pour un suicide assisté. Et puis il y a la loi belge qui date de 2002, qui a organisé l'euthanasie en Belgique. Plus récemment, et chez nous, nous avons 20 ans de réflexion avec une évolution législative et des avis successifs du Conseil consultatif national d'éthique, le CCNE, qui a rendu beaucoup d'avis sur ce sujet. Et le dernier en date, et date de cette année, l'avis 139, ouvre la porte à une aide active à mourir. Moi, je vais rejoindre le Conseil consultatif national d'éthique. J'ai été nommé par la présidente de l'Assemblée nationale. Je vais rencontrer, je vais aller me présenter au président Delfraissy, selon l'usage. Et on va revenir sur ces questions-là, sur les questions d'éthique en général, de bioéthique en général, mais aussi la question de la fin de vie, puisque nous sommes dans une réflexion nationale. Et si je peux me permettre, dans votre dossier, on vous indique la date du 21 novembre, au cinéma d'Arcy, à 18h, 18h30, la ouverture au public, avec un documentaire fait en Belgique sur une consultation de fin de vie,
avec un médecin, le docteur Damas, qui viendra lui aussi, comme la co-réalisatrice, à Dijon, pour, après la projection, établir un dialogue et un débat sur ces sujets-là, c'est-à-dire de la fin de vie. Là-bas, c'est l'euthanasie, c'est l'injection létale, mais, je le répète, une euthanasie dépénalisée, mais conditionnelle, dans un cadre législatif qui reste à fixer dans une prochaine étape. Est-ce qu'on peut dire qu'à l'heure actuelle, c'est encore tabou, malgré que les gens le réclament, comme vous le dites, malgré qu'il y ait beaucoup de consultations, puisqu'on nous annonce 6 mois de consultations, est-ce qu'on peut encore dire que c'est tabou quelque part ? On peut dire qu'effectivement, c'est encore tabou, mais en tous les cas, les Français souhaitent quand même que nous avancions sur ce sujet. Ils en parlent. C'est dans nos sociétés, en fait, modernes, où on a plutôt été dans le soin à tout prix, et d'une certaine façon, éviter de parler de la mort, de la fin de vie, de ce qui est, en fait, douloureux. Mais malgré tout, voilà, les Français expriment quand même voilà, cette volonté d'avancer sur le sujet. Peut-être aussi un petit peu un ras-le-bol de l'acharnement thérapeutique à haute dose. Ah, mais il est interdit. Il est interdit. La loi interdit l'acharnement thérapeutique. De par la loi Claeys-Leonetti, par la sédation profonde. Même auparavant, c'est la loi Kouchner, je crois, et puis la Leonetti, première version avant Claeys-Leonetti, qui indiquait qu'il n'y avait pas d'obligation d'un patient à accepter un traitement, et qui indiquait que les équipes ne devaient pas poursuivre des soins déraisonnables, dans la mesure où le pronostic est très engagé et sans solution thérapeutique. Donc, ce qui est tabou, c'est la mort. C'est ça la grande question. Mais dans la société aujourd'hui, ces questions-là sont abordées. Nous vivons aussi une société de vieillissement où se développent des maladies évolutives neurologiques, où se développe bien sûr le cancer à stade final, où se développe aussi chez les personnes âgées une polyinsuffisance de fonctions vitales qui rendent déraisonnable une dialyse rénale, des perfusions excessives et des chimiothérapies. Donc tout ceci est maintenant abordé par les médecins. On avait 4 médecins présents tout à l'heure pour voir à domicile, en établissement, à l'hôpital, comment les choses se passent. Un médecin, professeur de réanimation, je le cite, Jean-Pierre Queneau, qui était présent, qui est aussi co-directeur du collectif, de l'espace régional d'éthique, voilà, mais qui est réanimateur, qui répondait à ma question « Comment se passe aujourd'hui la sédation profonde continue jusqu'au décès ?» Il a clairement dit « Il s'agit d'une euthanasie active. » Dans la mesure où on arrête l'assistance respiratoire et on administre des drogues fortes pour l'analgésie et la sédation. Donc nous sommes déjà dans certaines situations extrêmes, de réanimation en particulier, en face d'une euthanasie active qui existe et qui est légale. Nous sommes aussi dans certains EHPAD, dans certaines unités de soins palliatifs, c'est plus à domicile d'ailleurs, je retire l'EHPAD. L'EHPAD, j'ai entendu la position nuancée, mais à domicile, l'HAD, l'hospitalisation à domicile pour les patients en fin de parcours, dans les USP, dans les unités de soins palliatifs et dans les établissements d'hospitalisation, se pratique cette sédation. Elle se pratique. Donc, on ne peut pas dire que l'euthanasie n'existe pas en France. L'euthanasie dont on parle ici dans un éventuel futur projet de loi, c'est de répondre à quelqu'un dont le pronostic vital est engagé à très court terme, qui est en face d'une souffrance intolérable et qui demande à soit un suicide assisté, soit une injection létale. C'est de cela dont il s'agit. Si on prend le cadre de ce qui se passe en Suisse et de ce qui se passe en Belgique. Et pour éviter, puisqu'il y a à peu près, c'est ce qu'on nous a dit, une petite cinquantaine de personnes, de Français, qui se rendent chaque année en Suisse pour bénéficier de cela. Donc, certaines personnes ont soulevé un petit peu cette inégalité aussi. Bien sûr. Voilà, puisqu'il y a celles qui peuvent le faire, qui ont les moyens de le faire, et les autres. Moi, je suis allé voir en Suisse comment ça se passait. Il y a 2 associations qui
que j'ai rencontrées, une qui s'occupe uniquement des citoyens suisses et l'autre qui accueille des citoyens non suisses, dont des Français. Et là, bon, il y a une tarification, il y a des frais, c'est un coût. Et personne n'a fait un emprunt d'ailleurs. Quelqu'un qui a dit pour ma femme, j'ai dû faire un emprunt. Donc il y a effectivement une inégalité de soins en général, mais sur ce soin ultime qui est l'aide active à mourir, il y a aujourd'hui en France un vide juridique, donc une inégalité entre ceux qui peuvent aller en Suisse ou en Belgique et ceux qui ne peuvent pas. En tout cas, les personnes doivent émettre leur consentement, un consentement libre et éclairé. Non, leur volonté. Leur volonté. C'est le corps leur médical qui consent. Leur ce volonté. Pas les patients qui. Ça, c'est un point charnière. Oui, j'ai insisté sais. Plusieurs fois. Non, mais ce que ça s'est répété plusieurs fois dans le livre du docteur Damas. Il ne s'agit pas de faire consentir des patients à une euthanasie. Leur volonté. Il s'agit que le corps médical, dans une forme qui reste à définir et dans des conditions très strictes, soit autorisé légalement à consentir à la demande d'euthanasie du patient. C'est surtout le point de vue des médecins qui, effectivement, pour eux, c'est très important, cette différence-là. Ah, mais pour la société, c'est important pour nous aussi. Ouais, hein. Bien sûr. Il ne s'agit pas de donner un permis de tuer. Mm. Il s'agit de répondre, oui ou non, et dans quelles conditions, à une demande d'euthanasie d'un patient. Mais la personne doit être complètement, bien éclairée, bien au fait. C'est les conditions qu'il faut fixer pour dire... Pour mettre des garde-fous quand même, qu'il n'y ait pas de dérive. Il faut que la loi soit respectée. Voilà, à nous de fabriquer la loi, c'est-à-dire fixer le cadre légal dans lequel cette demande pourra être entendue, acceptée, qu'il y aura un accompagnement jusqu'à l'acte lui-même. De toute façon, c'est un sujet tellement intime, d'éthique... je vous le dis tout de suite, il n'y aura pas de consigne de vote. Chacun va voter en son âme et conscience. Donc, suite après au débat. C'est quand même très important, je pense, que de le dire. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Justement, par rapport à ce déplacement en Suisse que vous avez fait il y a quelques jours, par rapport à ce qui vous a été rapporté, à ce que vous avez pu voir, est-ce que le modèle légal, on va dire, suisse, pourrait s'appliquer en France? Est-ce que c'est une mise en place, on va dire, légale de cette loi qui vous satisfait? Je ne donne pas pour l'instant ma préférence entre le suicide assisté façon helvète, c'est pas les bons termes. Suisse je ne donne pas ma préférence entre la législation suisse et la législation belge. La législation belge date de 2002. Les Suisses ont le suicide assisté depuis 40 ans. Donc moi je me nourris de l'expérience, du retour d'expérience de ces deux nations proches de notre région. Et puis des débats qui vont venir. Je pense qu'on aura les deux. Enfin je pense. Je ne veux pas anticiper, mais je pense qu'on ne peut pas traiter cette question-là séparément, suicide assisté ou euthanasie. Je pense que c'est l'aide active à mourir, la dépénalisation conditionnelle comme je le dis, et qu'il ne faut en même temps revoir l'offre de soins pour toutes les personnes en fin de vie, parce que soigner, c'est aussi important, et répondre à une demande libre d'un patient, c'est aussi important. Quels étaient les profils des participants? Des soignants, vous l'avez dit, des associations de patients? Alors, il y avait toute une équipe soignante, n'est-ce pas? Infirmiers. Il y avait la FEDOSAD, parce qu'elle fait de la HAD et de l'établissement. Il y avait l'aspect psychiatrie, avec un psychiatre qui était là. Il y avait un infirmier. Il y avait les petits frères des pauvres aussi qui étaient représentés parce qu'ils ont des propositions au niveau national et ils sont actifs auprès des patients. Il y avait un pool associatif avec la DMD et Jalmalv. Il y avait la société civile, les élus nationaux, les élus locaux. Il y avait Madame Tenenbaum, Madame Chollet, Madame Vialet. Et puis il y avait des structures associatives, le CREAI qui nous accueille, qui fait des études sur ces questions-là, le CESAD aussi qui fait des études sur le domicile. Il y a un philosophe qui était venu aussi, un professeur de philosophie, Jean-Philippe Pierron, pour nous éclairer, nous faire poser des questions. Donc voilà, c'était un peu un panel qu'on avait mis au point pour des gens qui sont confrontés et qui portent une demande ou qui sont confrontés au quotidien à des hommes et des femmes en situation de fin de vie. Est-ce que vous allez rencontrer à un moment des religieux?
Alors moi, je vais répondre de mon côté. Je pense qu'il est important de les entendre, mais je ne voulais pas le faire en même temps. J'ai déjà eu quelques contacts avec certains. Le retour n'est pas... Enfin, bon, il y a une position des évêques de France. Hein. Elle est récente. Il a parlé de ligne rouge, etc. Du côté des autres confessions, l'expression est moins formelle. Je pense qu'il y aura un moment où il sera intéressant de les entendre, de les écouter, parce qu'ils vont s'exprimer, ben, je pense. Hein. Mais aujourd'hui, dans notre démarche, je pense que j'ai préféré me concentrer sur à partir de professionnels et de sociétés civiles engagées et actives. Et qui sont confrontés, en fait. Parce que, pourquoi je réponds? Parce que la vraie réponse, c'est que la France est métaphysiquement neutre. C'est-à-dire que quand nous faisons la loi française, nous ne tenons pas compte des considérations métaphysiques. Nous pouvons entendre ce que la société exprime, y compris à travers les religions, mais la loi française, la loi de la République, elle est métaphysiquement neutre. Vous parliez tout à l'heure, j'en reviens juste deux petites secondes, de la Belgique et de la Suisse. Est-ce qu'on peut dire qu'avec votre expérience, on pourrait en prendre, disons, quelques notes pour rapatrier tout ça en France? Avoir déjà un recul que nous, nous n'avons pas à ce jour. Je vous ai dit, les Suisses, ça fait 40 ans qu'ils pratiquent le suicide assisté. Les entendre, c'est tout à fait utile. Comment ça se passe? Comment l'association excite? Dans sa méthode, ils nous ont exposé leur méthode. Je vous dis, l'accueil d'un patient qui est souvent adressé, enfin, je rentre dans les détails vite fait, hein, par une équipe soignante ou un médecin traitant qui dit, ben voilà, on est au bout du rouleau pour cette patiente-là, il y a une demande, voulez-vous le recevoir? Donc il y a un aspect d'accueil pour entendre et puis contextualiser la situation de la santé de l'individu. Après, il y a un temps, un accompagnement qui s'étale dans le temps. Alors, tout dépend de la situation d'urgence ou pas. Hein. Si vous êtes avant un cancéreux avec des métastases multiples disséminées, il va falloir aller un peu plus vite. Si vous êtes dans une autre situation, ça peut être un peu plus long. Mais la notion de temps est très importante. La notion d'information de l'individu, bien sûr, mais de sa famille, de son entourage, très important. La notion de transparence, c'est-à-dire d'une procédure écrite. Et là, je vais du côté de la Belgique. On a une loi, là. La loi belge, on peut la regarder, on peut l'étudier. Toutes les étapes sont décrites, y compris une conférence nationale qui fait des statistiques nationales sur la pratique. Donc, tout ceci peut nous inspirer. Il ne s'agit pas de photocopier la loi d'un pays pour la transposer en France. Mais je pense que cette connaissance-là, elle est importante. C'est ce qui a été aussi évoqué. C'est la formation aussi de nos professionnels de santé qui n'est pas à la hauteur, en fait, également quant à l'accès aux soins, l'accompagnement aussi des familles, etc. Il y a beaucoup d'attentes parce qu'on avait un jeune médecin qui disait qu'en fait, lui, il a pris connaissance des soins palliatifs pratiquement quand il est arrivé en fin de formation. Or, en fait, il faudrait faire ce genre de formation beaucoup plus tôt dans le cursus. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci. Et à bientôt. Merci.